va dire 3 semaines. Il faut rester aussi. Voilà, que les niveaux sont très serrés et que, comme un petit peu comme l'an dernier, j'attends peut-être d'avoir l'ouverture pour faire une différence et celle-là n'est pas encore forcément de nous. Donc je suis patient et je suis confiant dans ma capacité à pouvoir lutter à haut niveau sur 3 semaines. C'est beaucoup de félicitations. L'encouragement aussi, donc c'est très positif, mais bien sûr ça prend aussi d'énergie et on doit me une étape qui me montre très fatigué, j'ai besoin de récupérer et de rester calme aussi, donc c'est un aspect que je dois prendre en compte. On se doit d'exploiter quand même toutes les opportunités, même si on sait très bien que finalement c'est peu de chance que ça marche, mais si on ne l'attend pas, c'est vraiment cette ambiguïté-là, il faut rester calme et continuer à essayer d'imposer un petit peu notre cours sur des moments clés. Même si c'est pas. Il y a un aspect psychologique aussi à prendre en compte, je pense que vraiment le mouvement hier, c'était important après l'étape qui était un peu plus compliquée toutes les fois. C'était important de se remettre dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va. Comme de se remettre dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va. Comme de se remettre dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va. Comme de se remettre dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va. Comme de se remettre dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va. Comme de se remettre dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va. Comme tu se remets dans le droit chemin pour la troisième semaine qui va.